Bonjour à tous. Voici la deuxième vidéo d'explication des cycles de vie dictée par l'archange Gabriel en canalisation et illustrée également par l'archange Gabriel par l'auto-écriture. J'ai donc ajouté cette fois-ci sous sa coupe des dessins effectués l'année dernière en auto-écriture lorsqu'il est apparu et que nous sommes rentrés en contact, comment dirais-je, en contact, enfin, que je me suis rendu compte que j'avais contact avec un archange. Il m'a fait faire plein de dessins, des ronds, des points, j'en ai plus de 700 pages comme ça. Et à l'époque, je ne comprenais pas la signification de ces dessins, je ne savais pas à quoi ça pourrait me servir, mais bon, je faisais puisque. Je faisais de l'auto-écriture et je voulais obtenir des messages avec des phrases au départ. Puis, comme je l'entendais dans ma tête, eh bien, j'ai continué quand même à écrire ce qu'il me faisait écrire. Et donc, il m'a fait écrire tous ces dessins, des ronds, des points, des sortes de tire-bouchons. Parfois, ça me fait rire. Mais je ne savais vraiment pas à quoi ça allait me servir. Et ben voilà, tout s'éclaircit maintenant. Je fais une petite vidéo et puis ça va servir d'illustration pour expliquer donc les cycles de vie, puis les chemins de vie. Bonne découverte à vous! Tout au long de la vie ou des vies, nous subissons des cycles. Ainsi, nous traversons des moments heureux, puis des moments douloureux. Nous traversons des périodes heureuses, puis des périodes douloureuses, et ou inversement. Nous pouvons tout aussi bien traverser une vie entière heureuse ou douloureuse, puisque ces cycles s'écoulent sur plusieurs vies. Les cycles peuvent être longs ou courts et se chevaucher, tout comme il peut pleuvoir en été ou neiger au printemps, tout comme les jours qui se rallongent en été et se raccourcissent en hiver. Chaque cycle a un début et une fin, mais sans véritable mort ou naissance, car ils restent reliés les uns aux autres et réapparaissent, car leur nature est d'être cycle. Ils sont continuels, individuels et collectifs. La période de vie sur Terre est un cycle court par rapport à la vie des cycles. Elle se compose de plusieurs cycles, comme par exemple l'enfance, l'adolescence, le travail, la retraite, la santé, la maladie, l'union, la désunion. Ces cycles peuvent se chevaucher ou faire partie d'autres cycles. Ils nous permettent de ressentir des émotions. Il ne sert à rien de résister à la vie des cycles, car ils sont immuables et sont le fondement de notre chemin de vie. Tout au long de la vie, nous sommes guidés et protégés par les énergies pour subir ces cycles, car nous devons suivre individuellement et collectivement notre chemin de vie. Ce et ces chemins sont abreuvés par les cycles de vie. Ces cycles nous font suivre des expériences, nous font vivre des expériences utiles et nécessaires à notre chemin, chemin qui nous ramène à l'amour éternel et inconditionnel. Les cycles sont en perpétuel mouvement et s'inversent. Ils vont et viennent comme les marées et les cycles des saisons. La vie elle-même est un cycle. Voilà les amis, donc cette deuxième vidéo d'explication sur les cycles de vie dictée par l'archange Gabriel et illustrée par l'archange Gabriel.
Alors, les photos des nuages, c'est pareil que pour les dessins. L'archange m'a fait faire plein de photos de nuages pendant plusieurs jours. Je photographiais tout dans le ciel. Ça m'était jamais arrivé. Je n'avais jamais fait ça. Et je ne savais vraiment pas pourquoi je faisais ça. Donc, je photographiais. Je dis, bon, d'accord, il faut photographier. Je photographie. Mais enfin, j'en ai eu plein et plus d'une 100, 200, je comprenais pas pourquoi je faisais ces photos. Jamais je ne me suis amusée à faire ce genre de photos et bon, une fois, deux fois, c'était bien, c'est joli, mais ça n'avait pas de sens parce que c'était beaucoup de photos. Je savais pas à quoi ça allait me servir. Donc, vous voyez, ça, du coup, ça me sert d'illustration pour les vidéos. Donc, voilà. J'espère que ces messages vous auront parlé. Et donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur les chemins de vie. Donc bonne journée à vous et à bientôt.